Vu tout le monde, c'est Solution Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour faire la suite à notre let's play sur Dragon Quest et Builders. Alors aujourd'hui, bah du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire? Et ben on va voir déjà si le plan qui va terminer, qu'est-ce qui manque hein, au plan. Alors là, il leur manquait des choses qui a des points d'interrogation, on ne sait pas ce que c'est. Ah, il leur manquerait des escaliers, ok. Et puis un piège foudre, ok. Alors pourquoi il leur manque, un piège foudre? Peut-être qu'il a été cassé, je sais pas. Ah, ouais, du coup maintenant le piège foudre est carrément dans le mur, donc ils peuvent plus le, ils peuvent pas le casser. Ah oui, d'accord, oui, il manque un piège foudre ici, hein, d'accord. Okay. Alors pourquoi il y a un bloc qui traîne ici? Je sais pas. On va leur fabriquer ce qui leur manque et puis. Et puis voilà. Bon déjà, est-ce qu'il leur manque des choses ici? Ici, on leur manque rien. Ah ici, il leur manquerait. Oui, il leur manquerait des choses. Alors qu'est-ce qu'il manquerait? Il manquerait des plaques d'activation. Ok, on va des plaques d'activation. Est-ce que ça s'abrite ici les plaques d'activation ou pas du tout? Oui, ça s'abrite ici. Donc là c'est bon, normalement on peut tout faire. Voilà. Donc je pense que le piège foudre hein, qui leur manque, peut-être qu'il est dans le coffre, hein, qui est ici, parce que... non, il n'y en a pas, mais peut-être qu'ils l'ont récupéré depuis. Peut-être qu'il y a une personne qui est arrivée et qu'il l'a trouvé, puis il l'a déjà passé. C'est possible, hein. C'est bon, possible, hein. Donc là, il faut qu'on a récupéré un petit peu d'or, de la fourrure. Est-ce qu'ils l'ont placé du coup maintenant? Non, ils l'ont pas placé, hein, c'est bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a dans la main quoi? C'est pas encore fini. Ah oui, c'est vachement bien par contre. Est-ce qu'il faudrait placer ici? Non, pas du tout. J'ai cru qu'il fallait le placer là, mais non. Alors attendez, les points d'interrogation se placeraient à deux endroits ici. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il manquerait devant? Ah d'accord, des pièges là ça. Donc là les deux petits carrés c'est exactement la chose que je viens de mettre. Ah, le problème c'est que ça prend tellement longtemps, regardez, ça prend tout le temps de cuire. Hein. Faut être assez patient, hein. Je trouve qu'il faut être assez patient pour pouvoir avoir tout ce qu'il nous faut. Parce que sinon, on est foutu là. C'est pas bizarre que le jeu dit qu'il n'y a plus rien alors que pourtant ils ont des choses. C'est bizarre. À moins que je les ai directement ici. Ah non, il dit pas parce que je les ai dans mon inventaire. Ici, d'accord. Enfin, il faut le dire plutôt. Hein. C'était pour ça que le jeu ne voulait pas. Bah du coup j'ai leur cache foudre. Du coup je vais pouvoir leur le passer directement. Autant faire la chose soi-même, on est toujours mieux servi soi-même, hein, de toute façon. Les escaliers, bon, on va les mettre hein, aussi. Hein.
Sur moi, je participe même pas au plan. En fin de compte, genre, je leur donne tout ce qu'il leur faut comme, comme matériaux, mais après, après voilà. On va récupérer un petit peu les cœurs qui traînent, parce qu'on a l'impression que là, il y a plein de trucs partout qui traînent. Voilà, c'est déjà mieux là. C'est pas compliqué en plus comme tâche, hein, donc est-ce qu'il y a une escalier ici? Non, pas d'escalier. Non, moi t'as pas besoin d'en avoir, je les ai directement dans mon inventaire. Mince, j'ai mal placé. Est-ce que les escaliers on en a toujours besoin ou pas? Non, les escaliers c'est fini, donc on en a plus besoin. On va lui parler après. C'est bien que ça prend beaucoup de temps, on a seulement fini la... la cuisson, c'est tout. Et là, c'est quoi qui manque ici? Pièges crâne, c'est bizarre quand même. Donc 5 pièges comme ça. D'accord. Ah oui, vraiment ça. Après, une fois qu'on les a, qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faudrait des points d'interrogation, donc c'est pas ce qu'il faudrait fabriquer. C'est peut-être en rapport avec la personne qui a envie de me parler, peut-être. Ça me semble possible. Hein. Alors, est-ce que ça fonctionne bien si on fait ça? Oui, ça fonctionne bien. Alors maintenant, on va lui parler maintenant. Il est où? Et il est là, il tourne. Viens, je vais te parler. Non, je veux pas ça. Bien, voilà. Ah Gaëtan, comment s'est passée la mission? Avez-vous découvert une faiblesse que nous pourrions exploiter pour vaincre l'unité des violents? Les figer sur place avec des pièges glaces, dites-vous. J'imagine qu'il faut les placer sur les points d'interrogation indiqués sur le plan, mais ne faudra-t-il pas également une sorte de mécanisme pour les déclencher? Les plaques d'activation que vous avez construites précédemment n'activent automatiquement que les dispositifs placés juste à côté. Ce qu'il nous faut, c'est un moyen d'activer les pièges glace à distance. J'attends presque les rouages tournés dans votre esprit. Je sens qu'une nouvelle invention verra bientôt le jour. Bon, quand vous avez vous aurez tout ce qu'il faut pour terminer le plan, faites-le immédiatement. L'unité des violents pourrait attaquer à tout moment. Ah, ça y est, je suis une... Un commutateur. D'accord, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc? Marcher sur un commutateur pour déclencher des pièges à distance. Fonctionne à merveille avec les pièges glace. C'est nouveau. Donc du coup, c'est avec les fameux pions qui sont par terre. D'accord, c'est pour ça qu'il y avait des pions. Ah oui, d'accord. Donc on les fabrique comment par contre?
On a trouvé la recette, mais après, où on les fabrique, parce que c'est bien. Hein. Ah, si, si. On en fabrique 6 seulement. Enfin, c'est bon, on a ce qu'il faut. Donc, Bon, j'ai pas le choix d'en fabriquer 10. Hein. Enfin, c'est pas grave. Ah non, il y a quand même la porte. Donc, je suppose qu'il faut, voilà, faut les placer comme ça. Et donc, si on appuie dessus. Oh là là, il y en avait tellement ça. De toute façon, on est au max, donc on peut pas faire mieux. Bon bah, je pense qu'après, on va faire un combat, hein, et le combat est très violent. Hein. Le combat de la dernière fois qu'on n'avait pas pu voir finalement. Il y a eu un petit problème. Hein. Il vaut mieux commencer un combat en début de vidéo, parce que le problème c'est qu'un combat sur Dragon Quest ça peut être très long. Donc, je préfère qu'on fasse un combat dès le début on commence un tournage, ça serait mieux, je crois. Alors on va parler à Athéna du coup. Finalement Athéna c'est un petit peu finalement. Excellent travail Gaëtan. Ces pièges glace achèvent le plan avec brio. J'espère qu'ils feront de même avec nos adversaires. Cependant je crains que l'unité des violents ne soit pas notre ultime adversaire. Je sens une autre menace. Nous ne repartirons peut-être jamais cette guerre, mais nous devons nous battre. Il est temps que tu penses vraiment qu'elle est de mèche avec les... Vous allez bien tous les deux. Je n'apprécie guère qu'on m'observe de manière si suspicieuse. Hein. Si vous avez quelque chose à me dire, allez-y. Pas si on va venir avec vous. Un instant, je pense que je perçois quelque chose. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah bah ben, ça c'est moi. Bien évidemment, hein, c'était trop beau pour être vrai. Hein. C'était sûr qu'il allait se passer quelque chose. J'aimerais bien leur fabriquer des nouvelles armes, parce que malheureusement... Ah, j'ai vu que malheureusement, il a rien du tout. Moi j'ai quoi? J'ai un petit bouclier dans les joues, je sais même pas ce que j'ai comme bouclier. Et en plus j'ai même pas d'armure. Hein. C'est une armure de fer. 40, 30. Ça c'est pourtant de 40 robes flottantes. Hein. Réduit les dégâts de feu et de glace. Ça c'est bien ça par contre. Ça protège contre le feu et la glace.
Alors j'ai l'air bête avec ce truc, mais honnêtement ça me protège. Non mais franchement j'ai l'air d'une mamie en vrai. Non mais en vrai autant faire ça parce que le temps d'un combat ça protège quand même de 40. Y a pas que ouais ce malheureux peut l'utiliser. Parce que le problème c'est qu'un autre il utilise ça qui fait tous de dégâts. Hein. Alors que moi j'aimerais bien que le malheureux puisse utiliser un gourdin, un pointe, enfin quelque chose de. Vous voyez qui en tape fort. Alors le problème c'est qu'il me faudrait un roncier dense. Et vous savez, on en trouve des ronciers denses, on en trouve dans le premier chapitre de Dragon Quest. Et là, là c'est pas là où on va en trouver. Hein. Le seul moyen d'en avoir des ronciers denses, il y a un moyen, mais on peut pas l'avoir tout de suite là maintenant. C'est impossible. Seul Malrot peut l'utiliser, ça fait 56 de dégâts et ça faisait 42. Donc finalement, ça c'est même plus puissant. Ah, ça fait 74 ça par contre. Oh. Ah oui, nouveau mieux utilise l'énergie de guerre. Il faudrait 3 lingots d'acier. Attendez, on va lui fabriquer 3 lingots d'acier, on lui donne ça parce que le problème c'est que sinon. Vous avez vu la dernière fois, il faisait un seul de dégâts Malrot aux ennemis donc. Ouais, on va faire ça. Ah, le problème c'est que là il y a vraiment un combat. Embêtant, je pense que le combat on va pas le faire aujourd'hui. Hein. Je pense que comme j'ai dit, il vaut mieux commencer un combat en début de vidéo que en milieu, surtout qu'il reste vraiment quelques minutes à peine de tournage. J'ai pas envie de me lancer un combat qui va me faire durer encore 5 minutes à vidéo. Donc ouais, on va faire autre chose pendant ce temps, mais je préfère pas commencer un combat tout de suite là maintenant. Par exemple, on va enlever ce qui est moche, par exemple. C'est bête, hein, mais bon, je veux dire, j'ai pas envie de faire un combat maintenant. Comme vous voyez qu'à chaque fois, un combat, ça dure une éternité. Enfin, vous pouvez comprendre que j'ai pas trop envie de faire un combat maintenant. Voilà. Vous voyez, je trouve sympathique. Par exemple, le sol là, ce serait bien de refaire un sol tout propre, tout beau. En vrai, ce serait bien, par exemple, enlever la neige et faire ça. En vrai, c'est une hypothèse, mais voilà, on dit on sait pas trop quoi faire, on pourrait faire ça pendant les qui nous restent. On va lui donner à Malrot comme ça, c'est fait, mais après. Après on. Voilà. Alors il faut un lago de fer. Ok. Voilà, on va faire un petit peu le sol, on va réparer un peu le sol parce que vous avez vu comme le sol est vraiment moche. Là. Ouais, non mais en vrai. En plus ça se fait en un coup donc ça va être super rapide à faire. Ça va être super rapide à faire. Alors c'est vrai que le sol est toujours dépareillé. S'il y a quand même un truc ce bloc. Il y a ça et ensuite ce bloc il y a ça aussi. J'aimerais bien mettre des blocs de ce type là à chaque fois. Pourquoi ici ça se transforme en comme ça? Ah, je sais pas pourquoi, ça se transforme comme ça. Non en vrai c'est plus joli de mettre des blocs comme ça, vous savez pas. Enfin, je trouve que le sol il est un petit peu dépareillé par rapport aux autres endroits. Et... Enfin, je vais essayer de refaire tout le sol. Peut-être hors caméra, j'en sais rien, mais. Honnêtement ça va pas prendre non plus des lustres, mais au moins dans le château on va faire ça. Ouais, c'est bien que ça se sent comme ça. Bien. Alors est-ce que vous trouvez pas que c'est un peu plus... Vas-y ça fait plus château déjà. Ouais je pense faire ça peut-être hors caméra, je vais peut-être changer tous les blocs qui sont ici. Tous les blocs intérieurs.
du château. Tous les blocs, vous voyez, donc tous les blocs qui sont à l'intérieur du château. Tous les blocs, vous voyez, tous les blocs qui sont à l'extérieur du château, le devant du château. Ouais, le devant du château, c'est vrai qu'il est vraiment. Enfin, c'est vrai qu'on le regarde du dessus, on dirait bah, qu'il est toujours aussi en ruine qu'avant. Mais bon. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, après, je fais ce que je peux, donc. Et voilà. Donc, on va aller fabriquer ça, malheureux. De toute façon, il n'y a que lui qui peut l'utiliser, donc. Donc malheureux, tu seras content, moi il aura une arme plus puissante qu'avant. Voilà. Donc du coup, hors caméra, je vais refaire un petit peu, je vais un petit peu retaper le sol pour qu'il soit un petit peu plus joli que là maintenant. Et puis, bah, du coup, bah, je vous dis à demain. C'était Solution Trophée, en mamie.